concernés. Okay. Voilà, quand on dit tout le monde, bien évidemment, c'est vrai que ce sont des femmes. Okay. Oui, l'homme n'accouche pas, mm-hmm. c'est la femme qui accouche, mais l'homme est concerné, parce que c'est grâce à l'homme. Okay. Voilà, donc on comprend, c'est indirect, ça il faut le dire. Mm-hmm. Alors, en un seul mot, il s'agit de ce qu'on appellera encore une anomalie congénitale, bien évidemment, alors liée à la consommation de l'alcool. Et quand on dit syndrome, ça veut dire ensemble de symptômes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs. Quand on parle de syndrome, à chaque fois qu'on parle de syndrome, ça veut dire qu'il y a plusieurs symptômes. Okay. Voilà, c'est un ensemble. Et maintenant, fœtal sur le fœtus, bien évidemment, c'est pour dire que c'est encore dans le ventre. Okay. L'enfant subit tout cela encore dans le ventre. Tout à fait. Et alcoolisation, c'est l'alcool, bien évidemment. Okay. Voilà. Mais il faut dire que congénital, c'est dès. Alors, c'est dès la naissance. Et cela peut, des symptômes ou encore la pathologie, elle-même peut se révéler plus tard. Okay. Voilà. Et comment comprendre le SAF? Alors, comment comprendre, c'est, voilà, comme je l'ai dit, c'est lié à l'alcool. Il s'agit bien évidemment de la femme enceinte. Alors, une fois que la femme consomme de l'alcool, cela va traverser, c'est-à-dire ce qu'on appelle le placenta, et l'enfant, justement, serait exposé, va ingérer cet alcool-là. Une fois que l'enfant va ingérer, justement, cet alcool-là, l'enfant va... En un seul mot, il va commencer à saouler. Comment ici, il faut le dire ainsi. Okay. L'enfant va commencer à saouler. Le fœtus. Le fœtus, voilà. Soul. Dedans, le futur bébé, il saoule. Et alors, avec plusieurs manifestations et tout et tout. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, vous avez donc parlé de syndrome qui est dans l'ensemble des symptômes. Oui. Est-ce qu'on peut citer quelques symptômes? Si oui, lesquels? Voilà, il faut dire que les symptômes, déjà, c'est vrai qu'a priori, ça peut se manifester tardivement. Mmh. Voilà, ça va dépendre justement de chaque cas. Voilà. Okay. Alors, nous avons des déformations, même au niveau du visage. Les yeux sont rapprochés. Mm-hmm. Vous allez constater qu'au niveau de la crête, lèvres supérieures et le nez, la crête n'existe pas chez tous ces enfants-là. Ça n'existe pas, je dis bien, ça n'existe pas. Il y a une déformation au niveau des os, bien évidemment, et vous allez constater un retard de croissance chez ces personnes-là, chez ces bébés et puis tout là. C'est des enfants qui d'emblée, parfois, ne marchent pas très vite, tôt. Parfois, ces enfants, vous voyez, au niveau du raisonnement, on dit parfois qu'ils disjonctent. Voilà. On a les images. Voilà, vous voyez à l'image comment les yeux, l'état des yeux, voilà. Voilà. En ce qui concerne le visage, voilà. Oulala. Alors, pourquoi alcoolisation fœtale? C'est une priorité sanitaire, docteur? Oui, ça, c'est. C'est un problème de santé publique. Public. Ça, il faut le dire. C'est même pas, ça, je voulais dire ça devrait, mais c'est l'est déjà. À cause des conséquences. Parce qu'il faut dire en réalité que parmi les pathologies qui puissent justement toucher des fœtus, celle-ci est number one, comme on dit souvent. Ah, ok. Faites très attention parce que, en théorie, ça rend l'enfant bête. L'enfant n'a plus ses facultés. Il faut le dire ainsi. Ok. Voilà. Apprentissage, mémoire. Vraiment, les conséquences, il y en a trop. Il y en a trop. Voilà pourquoi vraiment c'est une priorité. Voilà. Alors, mais est-ce qu'on peut donc prévenir ou guérir le SAF? Voilà. Prévenir, c'est quoi? Tout simplement, c'est de ne pas boire. Chaque fils. Est-ce que vous en connaissez des femmes qui refusent parfois de boire quand elles en trouvent? Vous avez dit, vous avez vu, comme on dit souvent, le chien refusait de manger la viande. Non, vous avez vu, ça ne le voit pas. Oui. Je ne voudrais pas compter une femme sur 10. Je voudrais dire... Parce que là, ici, il faut dire que vous allez entendre certains qui disent que non, ça ne fait rien, c'est petit. Oui. Hein? J'en connais, même dans mon quartier, j'en connais. Vous voyez une femme passer là, fatiguée. Prends une, non? Une, elle prend. Alors, donc, il faut dire qu'en réalité, c'est l'abstinence. Ok. Il faut arrêter. On ne dit pas arrêter pendant 9 mois. Certains disent 9 mois. Moi, je parle de 15 mois. Pourquoi je dis 15 mois? Ça veut dire après avoir accouché, il y a l'allaitement. Ok. Et consommer également l'alcool pendant l'allaitement, ça passe. L'enfant également va saouler. Ça a un impact sur le sommeil de l'enfant. Okay. Ça a un impact également sur la motricité de l'enfant. Voilà. Donc, il faut dire que moi, voilà pourquoi je voulais dire 15 mois, pas seulement 9 mois. Okay. C'est-à-dire même après l'accouchement. Après l'accouchement, vraiment patienter de grâce. Est-ce que vous êtes toujours connecté à l'enfant? Vous êtes connecté. Tout à l'heure, vous parlez de quelque chose assez pertinent où on se pose la question, comment est-ce que ça vient? Qu'une maman puisse aimer telle personne plus que l'autre. Non, ne cherchez pas loin. L'attachement. Ouais. L'attachement commence par le lait maternel, le sein qu'on donne à l'enfant. Ça commence par là. Et je voudrais vous dire que les enfants ne reçoivent pas la même chose. Ouais. Ça, il faut le dire ainsi. Ah, ok. Oui, oui. Quel que soit le degré d'amour. Quel que soit le degré d'amour.
Ce n'est pas, la femme n'allait pas les enfants de la même façon. Okay. Si elle allait 10 enfants, ce n'est pas de la même façon. Okay, c'est ça, je pourrais vous dire. Okay. Voilà. Okay. D'accord. Alors, et comment vivre avec le syndrome d'alcoolisation fœtale? Oui, il parlait de prévenir, mais la guérison, alors? La guérison, malheureusement, irréversible. Oh là là. On ne soigne pas. Sauf miracle divin. Comme sauf vous. Miracle, comme voilà. J'aime bien l'expression là, ça, il faut le dire. Sauf miracle. Voilà. Homéopathie du Duchenne, on dit la même chose, c'est irréversible, on ne soigne pas. Mmh. Aujourd'hui, syndrome SAF, on ne soigne pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est de retarder encore ou de traiter les symptômes. Les symptômes, d'accompagner. Vraiment, on ne soigne pas le SAF. Ça, il faut le dire ainsi. Sans va demander comment vivre avec le SAF. Voilà, il faut dire que vivre avec, c'est vraiment c'est d'accompagner ces personnes-là. Mmh. Oui, parce qu'il faut dire qu'a priori, la maman devrait être le deuxième cerveau de l'enfant. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout simplement dire que l'enfant, son cerveau est déjà est malade en un seul mot. Okay. C'est des gens, c'est-à-dire, ils se fâchent pour un rien du tout. Voilà. Ils font des choses sans mesurer l'ampleur, les conséquences. L'apprentissage, il est nul. Mais moi, nul, ça je vous assure, il n'est nulle part. Et parfois l'enfant est donc comme ça, on va l'inscrire à l'école alors que... Non mais, vous l'inscrivez, il ne fait rien. Il ne fait rien, ça je vous assure. Enfin, tu vas souffrir à l'école. Il va souffrir. Tu es trop bête, tu es trop bête. C'est même la maman qui passait son temps à boire. Ouais. C'est elle qui commence même à insulter avant le père. Parce que c'est la maman qui commence. Ça, il faut le dire ainsi. On te parle, tu n'entends pas, tu es trop bête. Voilà. Oh. On est là, on gaspille l'argent pour toi. On gaspille l'argent pour toi. Alors que c'est eux qui t'ont détruit. Alors que ce sont eux, parce qu'il faut dire le mot, ce sont eux qui t'ont détruit. Mm-hmm. Notamment beaucoup plus la femme. Okay. Excusez-moi de le dire ce matin, ça je sais défendre la femme. Mais en ce qui concerne le SAF, c'est la femme. Okay. C'est la femme, il faut dire c'est la femme. Elle peut refuser de boire. C'est vrai aussi, on va se poser la question pourquoi elle se trouve dans cette situation. C'est là où j'accuse indirectement l'homme. Mm-hmm. Nous avons parlé de dépression ici. Okay. Vous comprenez quand la femme est enceinte, si la femme n'est pas bien accompagnée, elle peut se retrouver en train de boire pour calmer, pour voir l'anxiété. Elle peut être en train de boire parce qu'elle se sent seule. Depuis qu'elle est enceinte, le monsieur dit que comme elle est enceinte, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche avant qu'on continue encore les rapports. Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? Que la femme enceinte ne doit pas entretenir les rapports. Du coup, tu abandonnes ta femme. Tantôt, les autres hommes disent que non, c'est qu'il a peur de faire du mal au bébé. Qui vous a dit ça? Parfois, ce sont les femmes elles-mêmes qui disent ça. Oui, non, je vous dis, pour les cas dont je vis le plus, c'est les hommes qui prennent la tangente. Parce qu'ils disent que c'est l'occasion de laisser la femme. Ils disent que non, ils aiment trop les femmes. Ils laissent la femme, non. Il faut que la croissance de mon bébé se fasse dans les règles de l'art et tout. Ce sont eux qui sont à la médecine. Mais je dis, nulle part, c'est écrit que quand la femme est enceinte, on doit arrêter des rapports. C'est jusqu'au dernier jour, on doit faire les rapports. Ça, il faut le dire ainsi. C'est bien pour l'enfant, c'est bien pour la mère. Pardon, mettez-vous. Sauf aussi pour les grossesses à risque, en tout début de grossesse. Non, ça c'est autre chose. Une semaine de retard, un mois de retard, on peut soit éviter. Pour qu'on puisse savoir qui c'est une grossesse à risque, il faut consulter. Okay. Maintenant, là, on va vous dire, monsieur, faites attention avec madame. Et c'est mais là où parfois ils vont dehors. C'est là, qu'il faut être patient. Alors qu'il faut être patient. Non, le gars dit, j'aime ma femme, je ne veux pas l'embêter, comme elle est enceinte. Et c'est lui qui ne peut pas supporter. C'est lui qui ne veut pas. Et vous dites ce matin qu'il doit faire ça. Non, mais... Jusqu'au dernier jour, bien sûr. Ça facilite même le travail, Charles Fix. Ah. Oui, quand je dis le travail, l'accouchement. Oui. Tout à fait. Ça ouvre. Les enfants sortent beaux. Et ça évite les césariennes. Ça évite les césariennes ou beaucoup de choses. Donc, il faut dire que. Le conseil que je puis donner ce matin, c'est que on parle de SAF ce matin, journée mondiale. Occasion plus que jamais de rappeler à ces femmes, de rappeler à tout le monde que l'alcool nuit gravement à la santé de la femme enceinte. Je n'ai pas dit à la santé de l'homme, parce qu'il y a les bienfaits. Nous avons les vertus, nous connaissons les vertus, nous l'avons déjà dit ici lors de la journée mondiale de l'alcool. Mais je dis pour les femmes enceintes, aucune, même pas une goutte. Ça, il faut le rappeler. Okay. Attendez à coucher, après les 6 mois d'allaitement, jetez-vous là-dedans. Vous n'avez pas besoin, le jour que vous accouchez, on célèbre avec des casiers. Après, vous vous rendez compte que l'enfant commence à pleurer tous les jours. Vous vous posez la question, pourquoi? Pourtant, c'est vous. Le voir bébé. Tout ça là. Donc faites très attention. Le conseil que je puis donner, l'enfant n'a pas besoin d'alcool comme aliment. C'est pas le super aliment. D'accord, merci. Mangez beaucoup. Bien tout simplement et vous ferez des beaux bébés. Les femmes enceintes qui vont dans les réunions. Vivement les beaux bébés. Merci beaucoup, docteur Larry. Excellent week-end à vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Hein. J'ai gaffé dernièrement. Je vous en dirai plus, inbox. Ah, ok, merci. Je parlerai sous le contrôle de mon avocat Charles. Ah bon. Allez, excellent week-end à vous. Merci. Et toujours dans l'attente de nos chocolats noirs ici en direct. On va partir pour la pub dans quelques instants.